Chers Grenobloises, chers Grenoblois, vous tous qui faites vivre la métropole toute l'année, tous les jours, l'année démarre, c'est une année olympique pour Grenoble et je tiens à vous adresser, à vous, à vos proches, tous mes voeux de bonheur pour cette année, tous mes voeux aussi de réussite collective et d'une ambition partagée. C'est ensemble que les Grenoblois, il y a 50 ans, ont modernisé notre ville. Ils ont saisi l'opportunité des Jeux Olympiques pour faire émerger de nouveaux quartiers, Village Olympique, Malherbe, de nouveaux équipements, la MC2, l'Hôtel de Ville, la Gare, le Palais des Sports, bien d'autres encore. Tout cela, c'est une réussite collective. Il y a là 160 000 champions. Nous sommes fiers de ce que nous avons réussi ensemble. Et c'est dans cette énergie-là que nous puisons la capacité à répondre aux défis d'aujourd'hui. Célébrer et rendre hommage à ce qui a été fait il y a 50 ans, 50 ans c'était hier, c'est finalement puiser de l'énergie et se rappeler, se conforter dans notre capacité à agir aujourd'hui, à transformer la ville aujourd'hui, à transformer notre environnement aujourd'hui. Il y a eu 160 000 champions en 1968, nous sommes tous aujourd'hui des champions du quotidien. Quand on consomme différemment, quand on trie, quand on fait attention à ceux qui sont autour de nous, quand on transmet le meilleur de nous-mêmes à nos enfants, nous avançons ensemble, nous construisons ensemble. Relevons les défis qui nous attendent. Grenoble se transforme avec vous tous les jours. À l'Esplanade, un parc de 7 hectares émerge. Cœur de ville transforme le cœur de Grenoble en un cœur de métropole, accessible à tous, agréable à fréquenter. Le bio se développe dans les cantines. 3400 arbres ont été plantés depuis les trois derniers hivers. Les métro-vélos ont franchi le cap des 100 000 abonnements. Un peu partout, tout bouge. Alors je vous donne rendez-vous le mercredi 31 janvier au Palais des Sports. Vous tous, habitantes et habitants de Grenoble, de la métropole, pour le lancement d'un mois de glace au Palais des Sports. Un mois pendant lequel nous aurons beaucoup d'activités festives. Et ce mercredi 31 janvier, ça sera l'occasion pour moi de vous présenter mes vœux en direct. D'ici là, j'irai dans chaque secteur de Grenoble partager avec vous les projets de l'année, les projets en cours, car de près, on s'entend mieux, on échange mieux. Grenobloise, Grenoblois, bonne année à toutes et à tous et à très vite.